Nous tout ka remarqué avec qui est content que Martin Moïse lui-même rentre dans le pays. Il y a une manière pour lui capable de venir répondre à la question juge Gary Aurélien qui a instruit dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse 6 octobre qui a venu là. Commissaire du gouvernement auprès de la Cour d'appel de Port-au-Prince Claude Jean décide de renoncer ensemble avec des saisissements dossier prisonnier politique. Maître André Michel, après incident qui passait vendredi 1er octobre dans Matissan, et bien continuer à demander Premier ministre Ariel Henry pour lui révoquer DG Léon Chol dans tête la police nationale d'Haïti. Machine sécurité a continué à faire chimel. Hier dimanche 3 octobre 2021, yo arrivé kidnappé un révérend pasteur dans l'église Jésus Center qui tabicole dans Delma 29 accompagné de deux autres citoyens. Plus passé un mois après tremblement de terre 14 d'août 2021, et jusqu'à présent, il y a des gens qui vraiment en difficulté pour être capable soit retourner la caillou ou du moins joindre moyen pour être capable manger puisque l'État lui-même n'est pas arrivé voyez yeux sur moun sa yo. Incident qui passait Matissan vendredi 1er octobre 2021, toujours poussé Mario André Sol, ancien chef police nationale d'Haïti à lui-même, bay quelques conseils yon manière pour institution à lui-même, li capable avancer. DG Léon Chol, dans une conférence de presse, te bay bilan opération si la, et surtout, te tout bay un bien. Quelques dispositions qui pral commencer prendre yon manière pour capable aider PNH lui-même li combattre groupe armé si la yo. C'est toute information ça yo avec divers lots qui pral faire essentiel actualité nous matin. Coucou tout le monde, bienvenue sur chaîne actualité nous en tac info plus avec zami nous Fabula Jean-Charles. Encore une autre fois, nous comptons rentrer la caillou pour rubrique information ça qui pral commencer dans quelques secondes. Première dame Martin Moïse rentre dans le pays d'Haïti, côté l'été passé par au Cap d'abord, côté l'Italien yon hommage ensemble avec Marie-Li, président républicain Jovenel Moïse. Dans la déclaration que l'été baye dans la ville au Cap, première dame nan li même l'été fait connaître que l'y pas entré en Haïti pour l'y venir voger, mais l'y rentre en Haïti yon manière pour l'y capable demander justice pour président qui tombe en bas main bandit et surtout l'y venir là pour l'y continuer aider Mounio à travers fondation que l'été gagné pendant que président Jovenel Moïse même l'été toujours sous pouvoir. Première dame Martine Moïse, même il pas de camper là, il était continué visite li, côté, il était arrivé à aller plus loin que l'État haïtien lui-même, côté zone entre tremblement de terre 14 août lui-même, il était arrivé passé. Et même Martine Moïse même était arrivé dans zone Gabion, dans Okaï, il était arrivé dans zone Mosline, yo manière pour lui capable garder qui gens que moun sa yo même yo a vivre après que tremblement de terre ça lui-même, il était arrivé passé. Dans zone Mosline, tout le monde a remarqué qui accueille que première dame lui-même était joint côté tout le monde d'après les yo touye papa yo et bien yo pral voter maman yo parce que maman yo toujours vivant et maman yo pral permettre Haïti lui-même li joindre yo de même yo. Première dame Martine Moïse nan Mosline te tout profiter fait une déclaration fait un petit parler ensemble avec moun yo nous pral bo suivre et puis n'a tout. Justice. Oui. Mais pour la justice là, on va chita. On va continuer de travailler. On va dire à Maslin,
ce conseil de travail qui a commencé à faire, pour des cafés, pour des cacao, pour des pâturiers, etc. On va continuer. On va boire pour des bouts, pour continuer à planter mon amour. Voilà, nous avons remarqué que première dame dans lui-même elle est toujours accompagnée de sécurité depuis après assassinat président républicain Jovenel Moïse. Première dame dans lui-même elle est rentrée en Haïti pour diverses raisons, comme notamment répondre à la question juge Gary Aurélien sous dossier assassinat, puisque selon lui-même c'est une bagarre qui fait plus plaisir. C'est venir répondre question yon manière pour dossier à lui-même li capable avancer et que li pas arrêté nan yon point qui vraiment statique. Première dame nan lui-même tout li retourner yon manière pour li capable continuer bay aide que li te commencé bay yo pour peuple haïtien lui-même li ka rale yon ti souffre sous ça qui gen awe ensemble avec production locale. Claude Jean, qui est commissaire gouvernement auprès de la Cour d'appel de Port-au-Prince, qui était dessaisi de dossiers prisonniers politiques, et bien annoncé que l'y renoncer ensemble avec des saisissements de ceci là, ça qui pourrait permettre, et bien que prisonniers politiques ça y est, en parle de Arnel Belizère, de Kilik Semelus, entre autres, yo capable de jouer une libération, yo beaucoup plus facilement. Nous pas oublier que maître André Michel lui-même il était annoncé que a travaille activement et d'arrache-pied là sous dossier prisonnier politique ça yo, parce que très bientôt yo pral gagner pour yo capable libérer. Encore une fois maître André Michel lui-même il continue à avancer vers objectif que il était gagné et réaliser tout ça il pas capable réaliser pendant que président Jovenel Moïse lui-même il était toujours sous pouvoir. Et maintenant en Twitter que maître André Michel fait, et mais il a annoncé que il est content que Claude Jean lui-même il renoncer ensemble avec des saisissements dossier si là, puisque action ça que il posait a, c'est action qui conforme ensemble avec la loi et c'est action tout qui pourra permettre lui joindre libération beaucoup plus rapidement de prisonniers politiques ça yo qui a coupé dans prison et qui pas jamais passé devant un juge depuis novembre 2019. Qui donc la situation là lui-même il continue prendre l'autre tournure, il continue prendre l'autre ampleur sur ça qui gagne ah ouais ensemble avec politique en dans pays d'Haïti. N'a rappelé que visite de ambassadeur de émissaire américain en Haïti lui-même l'était prend fin 1er octobre 2021. Mais avant son départ, assistant secrétaire d'État qui c'est Brian Nichols lui-même, li te bay une conférence de presse côté, li te bay plus détails sous diverses rencontres qu'elle était gagné ensemble avec différents membres non société civile là, acteurs politiques yo et puis premier ministre Ariel Henry. N'a pas suivre conférence de presse ça pour qu'a gagne plus information de ça qui était discuté yo et puis n'a tourné. C'est haïtien qui t'a doué résoudre problème Haïti d'après secrétaire d'État adjoint américain pour affaires occidentales. Brian Nichols fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse dans Port-au-Prince jeudi. There is no solution that will work for Haiti and its people that will be imposed from the outside. Donc aucune solution efficace pour Haïti ne sera une solution imposée de l'extérieur. The solutions to Haiti's problems lie with its people and their vision. La solution aux problèmes haïtiens réside dans les Haïtiens eux-mêmes et dans leur vision. However, we in the United States are committed to providing the Haitian people the support they need to succeed and implement their own vision. Donc cependant, nous aux États-Unis, notre rôle c'est de supporter les Haïtiens dans leurs efforts pour implémenter leur propre vision. Monsieur Nichols fait partie d'une délégation au niveau États-Unis qui gagne la donne tout assistant et spécial président Biden avec directeur replacé Conseil national sécurité pour affaires hémisphère occidental Juan Gonzalez. Il en a été depuis jeudi pour discuter sous crise politique là, élection, migrants États-Unis déportés et puis pandémie Covid-19 là. Secrétaire Nichols décrit comme constructif
rencontre hier soir avec Premier ministre Ariel Henry. Je veux aussi souligner que nous avons eu une conversation très constructive avec le Premier ministre. We encouraged him to pursue that holistic and consensus vision for Haiti's future. Donc nous l'avons encouragé à poursuivre ses efforts pour trouver un consensus pour l'avenir d'Haïti. The United States is not going to pick winners and losers. Donc les États-Unis ne vont pas choisir des gagnants ou des perdants. The future of Haiti depends on its own people. L'avenir d'Haïti dépend de sa population elle-même. Sous question migrants haïtiens États-Unis déportés et qui soulevait en pile palais en pile tout partout dans le monde, Juan González décourageait migrants haïtiens essayer chancrer aux États-Unis illégalement. The migration issue is a regional challenge. Le problème de la migration, c'est un problème régional, c'est un défi régional. And it is something that, notwithstanding the images of what you're seeing, that the United States is working with Mexico and our partners in the region to advance an immigration system that not just uses enforcement, but that also establishes legal pathways. Les États-Unis travaillent avec le Mexique et d'autres pays de la région pour identifier les causes réelles, les racines du problème de la migration. What I'd like to say to potential migrants is don't risk your life and migrate now. The danger is too great, and the United States is committed to working with the people of Haiti to support as they work to bring prosperity and security back to their country. Notre message aux migrants est le suivant: ne risquez pas votre vie de la sorte. C'est très très dangereux, et nous travaillons avec les partenaires haïtiens pour résoudre ce problème. Monsieur González fait remarquer que secrétaire Nichols est un diplomate qui chargé d'expérience et qui bien respecté, et que ses premières visites l'a fait dans le pays d'Haïti. His visit here is intended as a message from the administration that the United States will not abandon the people of Haiti. Sa visite en Haïti est un message de la part des États-Unis. Le message est le suivant: les États-Unis ne vont pas abandonner Haïti. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Machine sécurité a continué à faire chimel en dans pays Haïti côté dimanche 3 octobre 2021, yo kidnappé révérend pasteur Jean-Marie Ferrer Michel dans l'église Jésus Center qui trouve école dans Delma 29. Individu exam ça yo même yo té habillé avec uniforme la police nationale d'Haïti et yo arrivé poser action si là côté yo kidnappé pasteur là ensemble avec deux autres citoyens. Et yon recevoir un appel là côté famille pasteur li même yon fait konnen que yon mande yon somme de 8 millions de dollars yon manière pour yon capable arriver libérer pasteur si là. Et bien encore une autre fois, la police nationale d'Haïti li même li victime, institution li même li victime, puisque vendredi qui saute passé à là, et bien li compte yon l'autre mort dans ses rangs ensemble avec yon blessé, puisque groupe armé Matisan et Metap empêché moun yon circuler libre et libère. Et bien la police li même était obligé créer yon manière pour être capable calmer situation ça qui vient fini en yon bain de sang. DG Léon Charles tap bay plus détail et puis n'ap tounen. Après toute disposition que la police a été prise pour cadrer les zones métropolitaines et renforcer la présence nous sur route Matisan, hier après-midi, il y a des bandits qui ont attaqué les gens qui ont passé sur route. La police a réagi et après manœuvre que yon blindé a fait, ils ne vont pas de mécanique. Malgré tout, les policiers ont continué à riposter sur place. Nous devons un renfort à travers plusieurs entités pour accompagner les policiers qui sont en difficulté. Comme bilan, 7 des 8 policiers qui étaient dans le blindé, nous sommes arrivés évacués. Et malheureusement, le bon policier qui est tombé. Après qu'il ait fait un détour,
Et apparemment, bandits ont été récupérés. Nous avons l'autre policier qui a perdu connaissance. Nous avons conduit à l'hôpital. Maintenant, Kounia est à l'estab. Mais tout vendu, 7 bandits ont été stoppés. Plusieurs autres blessés, selon l'information que nous avons recueillie à travers le service d'intelligence. Au commandement, a laissé ses partir à la famille policière, policier exil Michelet. C'est un policier modèle discipliné. Il est tombé pendant la défense du pays, pendant la défense de la police. Nous avons continué à faire patrouille sur tout le matissant pour nous permettre que la population vaque à l'occupation. Que tout le monde ait l'école, que le business a fonctionné, que tout le monde ait utilisé l'accès à ça. Dispositif que le prend, il réduit, limite la capacité de nuisance de bandits sur l'axe matissant, bandits qui jurent pour terroriser la population. Nous allons continuer à renforcer le dispositif de sécurité sur AXA. Et nous allons continuer à faire travailler ça pour nous traquer, arrêter tout bandit qui a participé à l'assassinat du policier Michel Exil et pour nous traduire devant la justice. Nous allons lancer un appel à toute la population pour nous continuer à appuyer la police nous. Dans tout effort la fait pour rétablir l'ordre dans toute communauté. Côté bandit, vous pensez que vous avez fait la loi. Voilà qui donc situation lui-même est vraiment compliquée. Étudiant sciences humaines Johnny Jean qui a été kidnappé dans la zone rue Camo et bien arrivé joindre libération. Et bien plusieurs institutions, plusieurs organisations ont décidé de mettre tête ensemble puis ont annoncé une journée de grève jeudi 4 octobre 2021. Une manière pour être capable de dénoncer kidnapping qui continue à faire rage en de pays d'Haïti et surtout dénoncer insécurité. En général, yon grève en partie qui prend et en partie tout, et bien qui tombe à l'eau, puisque c'est pas toute institution qui arrive respecter grève si là, bien que la majeure partie de l'école qui dans capitale là arrive ferme porte yo jeudi lundi 4 octobre 2021. Yon manière pour grève ça lui-même, li te capable fait normalement pour capable dénoncer insécurité. Plus passé yon mois après tremblement de terre 14 d'août 2021, eh bien, moun ki nan grand studio continue à vivre des situations qui vraiment difficiles côté jusqu'à présent gen la dan yo qui a vivre bon la ria toujours et yon pas capable retourner la kayo et surtout sous sa ki gen awe ensemble avec la manjaye, eh bien, misère en pile pour yo et a plein en pile autorité pas longe men ba yo yon manye pour yon capable sortir nan situation si la n'a botan de quelques déclarations et puis n'abtoune. Plus passé un mois après passage tremblement de terre 14 août 2021 qui frappait département Gredens, situation vint plus compliquée pour un groupe monde dans la commune Beaumont qui continue à dormir dans la rue et personne pas longer mais bayou. Depuis temps passé, nous n'avons vraiment autorité de passer côté. Quand nous là, nous avons souffert, nous là, et nous avons été sur Jérémy qui a été mangé. Jeunes garçons toujours à faire bruit, pas au compte qui j'en y a fait nous. Pour nous là, mon qui était là avec nous, gang déplacé, tellement yo découragé. Nous pas d'autorité qui vient côté nous pas gonfler là pour nous barricader nous. Quand il fait sirer, mon pas calant bayo, quand il moins crasé. Et puis, avec 8 petites dans la bon, nous toutes là, nous toutes ces misérables là. Quand on passe, il crasé, tout le cas est fouet, tout le nous dans la rue, même en rade, nous pas gagner tout le monde. On a pris un bar à là, il nous demande un plat chaud. Il est arrivé le vin là depuis lundi la pointe. Mais nous pas un monde qui vient. On se fait. On pas connaît parce que nous attendons. Mais côté nous, nous connaissons là, c'est ça la pluie, là, c'est quand nous là, nous passons pile nous. Malgré gros efforts qu'a fait pour déblayer l'école qui crasait dans la commune nord, yon façon pour faciliter l'école la capable ouvrir 4 octobre cap vidi la, mais population pas qu'on clair. Au niveau des collèges de la prophétie, li complètement
détruit. L'État a dit pour l'école l'ouvrir. Moi-même, je ne peux rien. Il a annoncé que l'école l'a ouvert. Mais même personnellement, je ne vais pas retourner dans la salle de classe. Même si ouais là, apparemment, pour que figure petit jeune, mais intérieur moins, pas bon. Parce que je suis retourner à l'école. Je ne vais pas possibilité. Normalement, l'État a supposé accompagner nous pour le taponner. Et qui ça l'a fait pour la prise en charge pour nous-mêmes, parce qu'il y a eux. Après ça, nous-mêmes, pour aider les gens, nous n'avons pas de massage. Je suis arrivé à l'école, beaucoup de gens à l'école, mais le président Katel intérimaire commune, Marcel Fortuné, reconnaît la situation vraiment difficile. Moment est vraiment difficile pour les gens. Toutes les maisons tombées, le sac pas tombé, tout déshabillé, tout le monde tombé, nous avons dormi à la belle étoile. C'est ouais pour ta ouais, c'est entrer pour ta entrer dans la section communale pour comment nous allons vivre. De côté jusqu'à présent, nous ne pouvons pas apporter rien comme aide à joindre nous. Non seulement la route est difficile, mais pas gagner tout. C'est ça qui gagne le minimum. Mackinson Charles depuis Jérémy pour la Voix de l'Amérique. Et bien c'est comme ça que la situation est là en Haïti. Et bien dans un bord insécurité à faire rage, dans l'autre bord grand goût continue à péter côté peuple qui pas qu'à joindre moyen pour être capable de manger puisque et bien économie lui-même lui tombe plate à terre et production nationale là nous pas gagner ça du tout. Et bien ça qui vient pousser là que misère lui-même lui continue à pousser coup jonjon en Haïti. Dernière information, quelques étudiants qui Cuba et bien mandé l'État haïtien pour voyager sous yo puisque et bien ça fait quelques temps là que on pas prend responsabilité envers étudiants sa yo qui obligé déplacer pour aller étudier malgré yo gagné une bourse d'études. Et bien yo écrit une lettre là ba l'État haïtien yo manière pour capable mandé tant pris souple voyager sous nous et prend responsabilité par rapport ensemble avec nous. C'est toute information ça aucun dépôté pour aujourd'hui. Merci d'être qu'on continue à like, commenter, partager et merci d'être qu'on continue à inviter vos familles ou à vos amis ou rester connecté avec TAC Info Plus pour avoir des bonnes informations. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye.